Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Peace. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soarkoolo qui aujourd'hui vous présente une vidéo très spéciale sur ma chaîne YouTube. Oui, parce qu'en fait, tout simplement, entre grandes parenthèses, je vais vous le dire en début de vidéo parce que je sais qu'il y en a qui vont peut-être pas rester jusqu'à la fin. Je vous demande de rester jusqu'à la fin parce que c'est une vidéo très importante pour ma chaîne YouTube. Mais si vous restez pas jusqu'à la fin, je vous donne l'information direct maintenant. Je vais tout simplement vous demander de vous abonner à la chaîne Soarkoolo Mec Live. Pourquoi ? Tout simplement parce que je me suis fait bannir de YouTube. YouTube m'a banni. Je ne peux plus faire de diffusion en direct pendant 3 mois. L'arrivée à expiration sera le 21 novembre 2018. Donc jusqu'au 21 novembre 2018, je ne pourrai plus faire de live, les potos. Donc je vais vous expliquer pourquoi et comment ça se fait que ça m'est arrivé, ok ? Mais alors, je vais tout simplement vous demander principalement à toute ma communauté. Donc, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à partager un maximum. Partager un maximum, j'ai vraiment besoin de votre aide. Il faut que cette chaîne YouTube arrive à récupérer autant de monde que ce que j'avais sur ma chaîne YouTube. Je sais que ça ne se passera jamais. Je sais que ça ne marchera jamais. Je sais que vous ne le ferez jamais. Je sais que ça ne touchera jamais toute ma communauté. Mais je vais vous demander un plus, au plus, à tous ceux qui regardent cette vidéo, de le faire, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne Soarkoolo Mec Live, parce que maintenant, tous mes lives seront sur Soarkoolo Mec Live. Alors, la chaîne sera en description. Toutes mes vidéos de live que je ferai sur Soarkoolo Mec Live seront remis sur ma chaîne principale, donc Soarkoolo Mec, ok? Donc je serai remis sur ma chaîne principale, je remettrai toutes les rediffusions sur ma chaîne principale. Mais voilà, pour les lives découvertes du DLC 4 de Black Ops WW2, le Call of Duty WW2, donc le DLC 4 qui sort le 28 août, je vais être en live sur Soarkoolo Mec Live. Pour la bêta de Blackout, je serai en live sur Soarkoolo Mec Live. Pour les giveaways, je serai en live sur Soarkoolo Mec Live. Pour les codes bêta que je donne en live, ce sera sur Soarkoolo Mec Live. Pour la découverte de Black Ops 4, le zombie, le Battle Royale, etc., tout sera sur Soarkoolo Mec Live. Tous mes lives seront là. Donc c'est très important que vous vous abonnez à cette chaîne. Et en plus de ça, vous n'aurez pas de bug de notification parce que cette chaîne, elle n'a aucun bug de notification. J'ai pas beaucoup d'abonnés, donc vous tracassez pas. Les bugs de notification, il n'y a pas grand chose. Il n'y aura pas de bug. Et comme je fais que des lives, ben vous serez direct prévenu dès que je lance un live, ok? Donc c'est vraiment ce que je vous demande. C'est pour l'avenir un peu de ma chaîne. Alors maintenant que je vous ai expliqué ce que vous devez faire, je vais vous expliquer l'histoire, qu'est-ce qui m'est arrivé personnellement. Alors tout simplement, il faut savoir qu'il y a 4-5 ans, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Wesh Temore Docteur, un vrai cancérigène, parce que tout simplement, ben, en fait, il a toujours crié au plagiat, il a toujours crié disant que c'était lui le meilleur joueur zombie du monde, hein, je dis pas français, je dis du monde carrément, qu'il a inventé 90% des astuces mondiales du zombie, donc il a tout inventé, c'est lui qui a trouvé toutes les stratégies, toutes les astuces, tout, il a tout inventé, ok, c'est le maître strat, il s'appelle tout simplement le maître stratégie sur sa bannière, il est marqué maître stratégie, enfin voilà, bref, vous avez capté un peu le genre de personnage, j'étais pote avec lui. Après, je ne l'ai plus été parce que j'ai remarqué ben, que ce type-là, ben, en fait, c'était un gros mytho. Il n'a rien inventé du tout. Il s'est juste approprié des glitches de certaines personnes que j'ai découvert, que j'ai pris contact, que ces personnes m'ont contacté et que voilà, ils ont prouvé des preuves parce qu'il y a eu des lives, il y a eu des vidéos avant que lui-même fasse sa vidéo, sa propre vidéo. Donc, soi-disant, c'est lui l'auteur. Enfin, bref. Donc, là-dessus, je ne lui ai plus parlé. Là-dessus, il m'en a voulu. Là-dessus, il m'a attaqué. Alors, sur ça, quand il m'a attaqué, moi, j'étais en pleine soirée, j'avais bu un verre. J'étais un peu pété, j'ai fait une vidéo à chaud, je me suis filmé et je vous ai demandé à tous d'aller striker, de signaler sa chaîne pour haine, pour incitation à la haine, pour tout. Je vous ai demandé de signaler sa chaîne YouTube. Donc j'étais sur un parking à l'extérieur, il faisait chaud et tout. Je buvais un petit coup, j'étais avec des potes et tout. Et voilà, j'étais vraiment à chaud. Et cette vidéo, je l'ai faite il y a 2-3 ans. Et il y a 2-3 ans, eux, ils viennent 2-3 ans plus tard, YouTube, merci, franchement, merci YouTube, hein, de venir 2-3 ans plus tard pour me dire « Oui, bonjour, votre vidéo n'est pas conforme aux règles concernant les harcèlements et l'intimidation de YouTube, donc maintenant, on va vous bannir pendant 3 mois, juste avant que Black Ops 4 sort. » Donc voilà, monsieur,
votre buzz, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas cette année. Mais si je ne l'ai pas cette année, je ne l'aurai pas jamais. Je ne l'aurai jamais. Il faut absolument que je sois là pour Black Ops 4. Je serai là de toute façon. Et si vous me bloquez cette chaîne, psst, vous tracassez pas, je m'en ferai une deuxième. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Sois cool mec, il est connu, il a 50 000 abonnés. Et si je crée une autre chaîne, bah, j'aurai peut-être pas 50 000 abonnés, mais j'aurai quand même les fidèles. Je continuerai YouTube quoi qu'il arrive. Je suis un battant les frères. Et il faut toujours se battre dans la vie. Quoi qu'il arrive, il faut savoir que quoi qu'il arrive dans votre vie, il y a toujours une solution. Il faut pas se morfondre, faut pas se dire oh, putain, je vais perdre ma chaîne YouTube et tout. Non, faut rester positif les frères. Moi je reste positif, je sais qu'il y a une solution à ça. J'ai demandé à Audrey Marley qu'elle me fasse un texte où je lui ai expliqué un peu ce que je voulais comme texte pour faire appel à cette décision. Alors bien sûr, si maintenant chez vous vous y connaissez sur la plateforme YouTube, vous avez des relations, vous connaissez des connaissances et que vous pouvez m'aider à faire sauter ce strike, parce que je sais que The Kerry a réussi à faire sauter 3 strikes de sa chaîne YouTube parce que il incitait aux musulmans, enfin voilà, il parlait beaucoup de religion dans ses vidéos, il insultait beaucoup et il s'est chopé 3 strikes parce que voilà, YouTube n'a pas accepté qu'il soit grossier. Et The Kerry a réussi à faire sauter ses strikes. Donc, je sais que c'est possible. Alors, avant d'envoyer faire la réclamation, parce que je n'ai droit qu'à une seule réclamation, regardez, je n'ai droit qu'à une seule réclamation. Avant de faire cette réclamation, il faut vraiment que j'étudie la réclamation que je vais faire. Parce qu'il faut vraiment qu'elle soit assez claire et nette pour qu'il m'enlève ce strike. Il faut vraiment qu'il comprenne l'envergure du truc, quoi. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vais attendre un ou deux jours avant de faire un motif pour une réclamation, pour être sûr que tout soit bien clair et que j'ai des chances qu'ils m'enlèvent ce strike. Parce que si j'arrive à enlever ce strike, par miracle, ce serait vraiment magnifique, je pourrais live sur Black Ops 4, c'est vraiment le truc le plus important que j'attends depuis impatience, tu vois. Donc c'est pour ça que je vous demande de vous abonner à la chaîne sur Cool Mec Live, parce que si j'arrive pas à enlever ce strike, je vais devoir faire des lives sur Cool Mec Live. Et si vous n'êtes pas là, vous verrez pas et tout. De toute façon, je remettrai tout sur ma chaîne principale. Mais bon, voilà, j'aime bien avoir du monde quand je suis en live. En plus, vous allez pouvoir nous aider à découvrir le secret, donc pouvoir nous aider à avancer dans le secret quand la map sortira et tout ça. Enfin voilà, c'est plus convivial que là, si je lance un live sur Cool Mec Live, j'ai 240 personnes, j'aurai peut-être 5-6 personnes qui viendront sur le live. Et c'est pas bien, tu vois. Enfin, c'est pas bien pour moi, quoi. Et c'est pas bien pour vous non plus, parce qu'après, il n'y a pas trop d'activité dans le chat. Moi, j'essaye d'animer un maximum, mais voilà, tu vois, je suis tout seul, et puis je suis concentré dans le jeu et tout. Donc voilà, essayez de vous abonner à la chaîne Sois Cool Mec Live. Si bien sûr, j'arrive à relever ce strike, si j'arrive à enlever ce strike, je vous tiendrai au courant. Vous pourrez vous désabonner de Sois Cool Mec Live, mais pour l'instant, j'ai vraiment besoin que vous vous abonniez à Sois Cool Mec Live, parce que je ne peux plus diffuser en direct. Ils m'ont bien carotte. Mais de toute façon, je me laisserai pas faire. Je me laisserai pas faire. Alors j'ai un petit message pour les youtubeurs d'entre vous. Si vous faites une vidéo et que vous incitez à la haine et que vous parlez trop méchamment ou vous insultez trop les gens, vous parlez trop de religion ou de racisme ou d'autres sujets très très sensibles, faites attention, on est dans un pays libre, enfin on a le droit, on est en liberté d'expression, c'est sûr, mais il y a des choses à dire et à ne pas dire. Vous avez une communauté, vous devez être quand même respectueux envers votre communauté et responsable surtout responsable. Donc il y a beaucoup de jeunes qui regardent ma vidéo, c'est possible qu'il y ait beaucoup de jeunes qui regardent mes vidéos, donc il faut que je fasse attention à ne pas les inciter, genre à l'islam, si j'ai, voilà, ma religion c'est ma religion, je n'ai pas à les inciter à rentrer dans une religion, je ne suis pas islamique, hein. Je suis athée. Mais voilà, c'est un exemple que je vous donne, si j'aime pas un youtubeur, je ne peux pas vous inciter à ne pas aimer ce youtubeur, c'est très important, parce qu'en fait c'est des motifs de strike, parce que vous ne pouvez pas inciter une communauté. Donc voilà, soyez très 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 attentifs. YouTube ne rigole pas avec ça, vous pouvez le voir. Bon, il rigole pas, mais il a fallu quand même 2-3 ans pour signaler cette chaîne. Regardez, à ce temps-là, je mettais même pas des majuscules à mes titres. Vous pouvez regarder toutes mes vidéos, maintenant il y a des majuscules partout. Donc vous pouvez descendre jusqu'en tout en bas, vous verrez bien. Le jour où je mettais pas de majuscules, c'était il y a 2-3 ans. Je mettais pas de majuscules. Maintenant, je mets des majuscules parce que voilà, le titre est plus gros, ça attire plus l'œil. C'est plus aguicheur, ok? Donc faites attention. Faites vraiment attention. Ça fait 5 ans que je suis sur YouTube.
C'est la première fois que je prends un copyright comme ça. La première fois, et je vous jure que ce sera la dernière fois. Parce que quand vous vous brûlez ou quand vous tombez par terre, l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage et on s'en relève toujours plus fort. Ok les mecs, on s'en relèvera. Moi je m'en relève, je reste positif, ils vont pas m'arrêter, j'ai un objectif dans ma vie, je veux y arriver et je me battrai pour y arriver et je sais que je peux y arriver, je sais que j'en suis capable et je sais que vous-même vous savez que j'en suis capable, je sais que au fond de vous-même vous savez que je vais percer et je vais percer les mecs, je vais percer et je vais tout faire pour le faire. En tous les cas, j'espère que cette vidéo sera très très j'espère que vous serez là pour moi, j'espère vraiment que cette vidéo va vous impacter, j'espère que cette vidéo vous allez l'écouter et que vous allez faire ce que je vais vous demander, tout simplement de vous abonner à ma chaîne secondaire pour me soutenir un maximum les frères, j'ai vraiment besoin de votre aide, ok. Donc merci à tous ceux qui le feront, vous tracassez pas, je serai redevable envers tout le monde, je suis redevable envers ma communauté, j'essaie toujours de vous aider, j'essaie toujours de mettre en place des trucs pour vous aider, pour vous faciliter les choses, j'essaie de vous répondre, je suis un youtubeur, franchement, je veux pas me vanter, mais je suis un youtubeur vraiment unique et en or. Je suis vraiment unique en son genre et vraiment en or. Je fais extrêmement beaucoup de choses pour ma communauté. Mes potes font extrêmement beaucoup de choses pour vous aussi. Johnny34, Audrey Marley, tous mes potes, ils font extrêmement beaucoup de choses pour vous. D'autres abonnés chez moi font extrêmement beaucoup de choses avec vous aussi. Alors franchement, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne de Sois Cool Mec Live. Et vous tracassez pas, on va surmonter tout ça ensemble et on va nickel game les frères. Si tu la famille représente les frères, sois cool mec, sois cool au mic. Si c'était moi. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager les frères et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Bien sûr, activez la petite cloche des notifications comme d'habitude, même si je le dis jamais. Et surtout abonnez-vous à la chaîne de Sois Cool Mec Live. C'est le truc le plus important de toute ma vie, de ma chaîne, là, pour l'instant, c'est vraiment ça. C'est aller sur la chaîne de Sois Cool Mec Live, abonnez-vous en masse, les mecs. Pétez-moi cette putain de barre de 240 abonnés. C'est quoi cette merde? Hein, c'est quoi ça? 240 abonnés, vous êtes sérieux, quoi? Vas-y, on va exploser ça, les frères. Je vais calculer, je mets un chrono. J'espère au moins atteindre les 1000 personnes, franchement. Les 1000 personnes. Aujourd'hui, ce serait vraiment insane. Aujourd'hui, en 24 heures, 1000 personnes, ce serait possible, non? Il manque juste 750 personnes, 760 personnes. Ça va, nickel, easy, les mecs. On est 50 000 sur la chaîne. C'est obligé que vous serez là pour moi. Obligé, j'ai toujours été là pour vous. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'était Sois Cool au Mic. Et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh.